La biographie, Sylvie, parce qu'on fait ça, évidemment, on raconte... Vas-tu mourir? Non, pas du tout, non, pas okay. du tout. Tu peux te détendre, tu peux, dormir, okay. tu peux t'installer dans ton lazy. Et on a lu effectivement beaucoup sur toi, et on peut dire que quand on lit sur toi, il y a souvent mention de la grande antipathie envers les objets. Tu as un rapport avec les objets électroniques particulièrement, oui. Assez particulier. Et il se passe quelque chose entre les objets puis toi, c'est très particulier. Puis je vais montrer et je vais te montrer. Puis à travers ça, je vais pouvoir raconter ta vie. Tu vas voir, c'est très simple. J'ai même, on a tout d'ailleurs, on a été chez toi. Et j'ai même ici d'ailleurs le premier répondeur qui a explosé en autocombustion, pouf, tout seul, après que tu lui aies parlé pendant une demi-heure pour l'apprivoiser, je pense. C'est vrai. Alors, j'ai ici évidemment d'autres appareils électroniques qui t'ont fait souffrir et qui parlent avec éloquence de ton vécu. Sylvie, bon, tu es née un 17 juillet. À 22 ans, tu décroches ton premier rôle au théâtre dans Pygmalion. À cette époque-là, tu entends parler d'ordinateur. Et nous avons d'ailleurs ici ton premier écran cathodique ruiné par une surutilisation de liquid paper. Quelques années plus tard, la télévision découvre Sylvie Léonard. Alors, tu joues dans Rue des Pignons et tu es l'inoubliable petite fleur dans tes rumaines que tu as d'ailleurs voulu enregistrer avec ton magnétoscope, et que tu as malheureusement confondu avec un autre appareil électroménager, comme on peut voir ici, qui est évidemment... Oui, on a retrouvé chez toi une toast là-dedans. Un autre appareil que tu as confondu... D'ailleurs, le grille-pain, évidemment, dans lequel on a retrouvé des vieilles VHS jamais et usagées. Le public québécois est friand de ton rôle de Sylvie dans Un gars, une fille, dont le concept, faut-il le rappeler, est vendu à travers le monde, évidemment. Et pour justement regarder ces différentes versions d'Un gars, une fille, quelqu'un t'a offert en cadeau une soucoupe satellite dont... que tu utilises fréquemment comme plat de service. Alors, franchement, Sylvie... La technologie et toi, c'est pas le grand amour. Par contre, on doit avouer que tu as fait preuve de grande ingéniosité en utilisant un tourne-disque ici comme porte-gémeaux, évidemment, porte-trophée pour tous ces prix que tu as reçus au cours de ta formidable carrière. C'était ta biographie, Sylvie Léonard. Bravo! Alors... C'est pas loin de la réalité! Mais c'est vrai que t'as un rapport difficile avec les objets comme ça? Pas à ce point-là, tu vas me dire. Non, pas les cafetières, pas les affaires de... Mais ça, oui, toute l'électronique, ça marche pas du tout, du tout. Et j'ai vraiment fait exploser un répondeur avec lequel j'ai dialogué... pas une demi-heure, mais 10 minutes. 10 minutes, mettons. Ça, c'est le répondeur que Guillaume t'avait offert, je pense. Oui, puis il est arrivé, il me l'a donné, il l'a installé dans la cuisine, puis j'ai dit, « Ah, Guy, dis-moi pas que tu me donnes un nouveau répondeur. Le mien fonctionne très bien. » Il dit, « Non, mais celui-là est extraordinaire. » J'ai dit, « Gars, je vais juste le plugger, puis je vais y parler. » Tu sais, juste pour... Tu parles à tes répondeurs? Je parle aux objets pour essayer qu'ils m'aiment puis que je les aime, tu sais. C'est peut-être là que ça commence, le rapport difficile. Je sais, puis ça marche pas. Alors, mais pendant ce temps-là, je faisais une bonne compote de pommes. La compote de pommes, ça allait très bien. Ah, ouais, c'est ça. Et là, tout d'un coup, c'est pas la compote de pommes qui a fumé, c'est le répondeur qui a fait de la fumée. Mais ça, c'est fascinant. Là, j'ai crié à Guy, viens m'aider. Puis il a dit, c'est trop tard. Et c'est pas la compote qui a brûlé, c'est le répondeur. Ben, c'est parce qu'effectivement, il a brûlé. Tu dégages des ondes très, très... négatives. Très... Non! Particulières. Avec ça. Avec les objets. Mais dans tes rapports aussi, écoute, c'est assez magnifique. Moi, je t'ai connu. Des progrès, une nouvelle technologie avec celui qui, avant d'être humoriste, a personnifié grosse douceur dans un McDonald's. Jean-Michel Anctil, bonsoir. Wow. Il y a tellement d'amour là-dedans. Oui. Il y a tellement d'amour. Tu rentres dans mon intimité. Non, mais écoute, c'est tellement de beaux souvenirs. Alors, cette semaine, j'ai décidé d'augmenter un petit peu après ma machine à pète. Qui a eu un succès fulgurant, par exemple. Ah oui, c'est épouvantable, hein? Le gars à la boutique, il me l'a dit, il en a vendu beaucoup. Bon, alors ça... Ça s'appelle, je vais montrer à la caméra, ça s'appelle un stress express. Un stress express. Ouais, si t'es stressé, là, mettons, comme regarde, on voit sa boîte, là, je vais vous montrer, gars. Ici, ça, c'est quand t'es stressé. Oui. Ouh! Non, oui, le monsieur est stressé. Là, après, tu utilises ça. Tu sais, mettons, je suis stressé. Moi, je suis stressé. Là, tu pèses là-dessus. Oh, là, je suis stressé. Moi, là, je suis stressé. Puis là, tu peux diriger vers où ton stress va s'en aller. Je suis stressé. Moi, là, va-t'en, mon stress. Il s'en va. Écoute, c'est donc beau. Regarde, je suis serein. Ben oui. C'est vrai. Mais ça, c'est comme une matérialisation de la visualisation positive. Oui. Et avant que les gens appellent partout à TVA, je veux spécifier toutes les petites bébelles que j'ai pris ça, c'est Radio Shack.
Ah, c'était une semaine Radio-Shack. Okay. Et ça, ça vaut 15 $. Oui. Pour évacuer son stress, ça, c'est mieux qu'un thérapeute. OK. Et attention. Oui. Ça, c'est une découverte extraordinaire. Oui. Pour les jeunes batteurs. Tu sais, il y en a qui veulent jouer du drum, mais acheter un drum, ça, ça, c'est beaucoup de choses. Et ça prend de la place. Chantal, je vais te demander de tenir ça. Quand je tourne le micro. Drum est venu. Hein? C'est des petites baguettes. Oui. Et quand tu fais un coup, regarde qu'est-ce que ça fait. Et t'as d'autres sons. T'as des petits pitons là-dessus. Cool. Mais c'est bien merveilleux, Dominique en bas. C'est magnifique. Ah! One, two, three, four. Mais c'est Batman. Et combien ça coûte, ça, cette chose-là? Ça, cette merveilleuse chose-là, il y avait un prix après. Ça vaut 20 $. 20 $. Écoute, c'est quand même un cadeau abordable pour un jeune apprenti. On pense aux parents parce que ça joue pas trop fort. Ouais, ben c'est encore drôle. C'est encore drôle. Non seulement c'est plate, mais c'est lettre aussi. Ben oui, c'est ça. Non, les gars, ça allume. Il y a des lumières. Ah, il y a des lumières dedans. Y a-t-il un choix de couleur? Non, mauve et mauve. Mais tu sais, ça peut servir de fourchette à fondue. Mais ça n'entre pas. OK, pas. Ouais. Et ça n'entre pas dans les tuyaux. Okay. Attention. C'est quoi ça? Ah, oh, ça, c'est un stérilet? Non! 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 Peut-être! Une chance, la bonne femme est venue. Non, ça se trouve être un écouteur oui. pour oreiller. Alors, démonstration, on met un oreiller. Oui. Tu mets le petit écouteur-là. D'accord. Là, tu branches ça dans un radio, dans ton Walkman, dans ce que t'as. Puis là, tu peux dormir. Et t'es le seul. Puis t'écoutes. T'écoutes ça. Mais il y a un danger. Ah. Attention, les gens à la maison. Des fois, tu t'endors la bouche ouverte. Tu baves. Tu peux tomber là-dedans et mourir électrocuté. C'est épouvantable. Il y a 3 personnes. C'est arrivé à 3 personnes. À 3 personnes déjà. Pour une morte électrocutée. OK. Et c'est encore une autre merveille qui coûte combien, ça? Ça vaut pas cher. Ça vaut 8 $. Ah, oh, bon, mon Dieu, c'est vraiment... C'est une petite étreinte, sans dormir ça. Avec... Oh, ça, on garde ça pour le jour de l'an, ça. C'est vraiment la petite étreinte parfaite. OK. Il y a un long titre. Et la dernière chose, oui. Je devais pas la montrer parce que Marc Brunet, qui est un des concepteurs de l'émission, me dit, montre pas ça, tout le monde a ça. C'est une caméra numérique. Il m'a fait de la peine. Il m'a blessé. Marc Brunet m'a blessé. Oui, je connais bien là. Regarde, là, le principe, c'est tout petit. C'est gros comme une carte de crédit. Ben oui, regarde, ça. On peut voir, regarde, on me voit dedans. Si je prends une photo... Ça va s'immortaliser. Ah, tu t'aimeras pas. Puis là, tu peux tout de suite tasser. Là, tu te vois. Hein, regarde. Ah, ben oui, c'est réussi ce que t'as. Ah! Oh, que je l'aime pas, cette photo-là! Ben non, ben là, écoute! Et ça, j'ai pris ça chez Future Shop. Mais ça, ça vaut une fortune, ça? C'est 800 $. Ah, c'est ça! Écoute, ça n'a pas de bon sens. Puis il y a une petite carte numérique et tu peux prendre jusqu'à 256 photos dessus. Après ça, tu transfères ça, tu as une petite affaire ici, tu branches ça sur ton ordinateur et tu Et là, tu donnes. Oui, oui, mais là, pour que tu aies l'imprimante, là, super HDH2X, là, pour imprimer ça. Oui, mais tu peux les envoyer en email. Ah, ben c'est tellement. Ça coûte moins cher. Finalement, tu n'as jamais tes maudites photos. Ils sont partis à travers le monde puis tu n'as jamais ça. Fait que j'ai pas bien fait de l'acheter. 800 $ chez Lyon. Oui, mais garde, je vais t'avoir en photo. OK, parfait. Ben merci beaucoup, Jean. 800 $. On va choisir les 3 premiers quand même. Merci Chantal, merci Jean-Michel. Et joyeux Noël! Ça va faire une petite pause et on revient avec les petites villes du Grand Blond tout de suite après. Merci vos petites vites de fin de soirée. Dans l'actualité aujourd'hui, commençons avec une nouvelle catégorie. Dieu que j'aurais donc dû fermer ma gueule. On apprenait aujourd'hui que la skieuse Mélanie Turgeon a terminé 2e et 10e hier. Effectivement, ça se passait lors des premiers essais en prévision de la Coupe du monde de ski alpin qui se tiendra demain vendredi à Lake Louise. Bon, comment on fait maintenant pour terminer 2e et 10e en même temps? Ça se peut même pas ça. Ou bien ça doit faire ben mal à l'entrejambe. En tout cas, selon le journal de Montréal, la skieuse a déclaré, et je cite, « Je veux me rendre au bas de la piste. » Wow! C'est quel beau message, Mélanie! Je suis certain que ça va beaucoup aider les dizaines de skieuses sans expérience qui s'envolent chaque année pour aller exploser dans la stratosphère. Elle appelle tout un monde, celle-là. Fallait être au bureau cet après-midi. Elle était bien drôle. Selon le Dr. Joseph Lurito de l'École de médecine de l'Université d'Indiana, contrairement aux femmes, les hommes n'utilisent, écoutez bien, qu'une moitié de leur cerveau pour écouter. Bon.
À mon avis, cela s'explique très facilement. C'est un système de survie que l'homme a développé au cours des millénaires pour endurer les personnes qui répètent toutes deux fois. Oui, je vais les poser, les châssis doubles, en fin de semaine. Oui. Je t'aime, chérie. Bon, maintenant, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me demande bien ce qui se passe à Amman de ce temps-ci. Non, mais c'est vrai, vous savez où c'est Amman? Ben, c'est une région de la Jordanie, tu sais. Franchement, tu sais! Hey! Non, non, mais faites semblant de le savoir parce que je le savais pas moi non plus. Il a fallu que je regarde dans le dictionnaire cet après-midi, puis j'ai même demandé à Mego, puis Mego le savait pas non plus. J'ai dit, Mego, c'est où Amman? Puis là, il m'a répondu, Amman à la tête aujourd'hui. C'est charmant, mais tu sais, c'est un musicien. Donc, un chercheur jordanien affirme avoir découvert le plus ancien insecte du monde, dont l'âge serait estimé à 135 millions d'années. Ah, moi, là, parfois, lorsque j'essaie d'imaginer à quoi pourrait ressembler le plus vieil insecte du monde, je me mets tout de suite, évidemment, à rêver. Puis là, il me vient toutes sortes d'images cocasses et merveilleuses en tête. Non, minute l'effet, Marie, minute! J'ai pas fini de voir des images poétiques dans ma tête. Je vois... Qu'est-ce que je vois? Je vois des enfants qui jouent. Je vois des femmes en robe blanche. Je vois des ballons. Je vois des rires. Des voiles qui flottent au ralenti. Ben, voyons... Bon, attends, c'est pas ça pantoute, c'est un jeu vieux, c'est pas ça, excusez-moi, c'est un vieux vidéo de Marjo, ça, je pogne, c'est parce que je pogne encore Musimax avec mes plombages, puis ça me rend dans... De toute façon, de quoi je parlais? Ah oui, c'est ça, donc un chercheur jordanien prétend avoir découvert le plus vieil insecte au monde, et on a des images de la vieille bébite. Effet, Marie, là, bon, c'est ça. OK, j'ai 48, maudite vie de l'homme de bâtard. Passe mes soirées ici, passe tes soirées ici, toi! Tiens, tout, tu fais le cardiaque? Moi, tu fais le blanc, ça cardiaque? J'ai une cousine à cardiaque, moi. J'ai une cousine à cardiaque, moi, des problèmes de digestion. Mais comme moi, je suis capable de gérer, graminer. J'ai un petit graminé, toi. C'est épouvantable de graminer, c'est ça que je fais. Parce que là, l'envoyé le système au pancréas. Le pancréas, il sécrète mal, puis là, ça retourne les graines. Je me suis privé, pantalon. Oh, c'est une cigarette à merde. Fait que c'est ça, tu gères mal, puis là, t'entends des graisses, t'es pas capable d'éliminer. Il y avait les mêmes problèmes avec les gaz, c'est épouvantable, le temps des fêtes qui s'en vient. Ça l'est prêt. Tu l'as déjà convié, toi? Après, on sort-tu? Non, je sais pas. Maudite gang de mer. Pas capable de rien faire, que tu m'as donné dans les années, mon point d'année même encore pendant les millénaires, c'est là que je crève, bâtard, maudite. Eh bien, c'est tout pour les petites bites. Je sais pas toi, mais moi, j'étais formidable. Allez, chérie, viens jaser. Jean-François Aubé du groupe Lemon Twist. Bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors effectivement, comme j'ai dit en début d'émission, là vous allez nous interpréter de belles façons, chose que j'ai jamais personnellement moi réussi à faire au niveau vocal, la chanson Superstar. Et il faut que je vous dise, cet été, ça a été comme ça, c'est apparu, on était en réunion de travail, et là, on écoutait le disque, et là, quand on a entendu ça, vraiment, ça a germé, comme tout le monde est tombé d'accord spontanément, et ça dansait, les recherchistes dansaient dans les bureaux, et tout le monde s'est extériorisé, et tout le monde a exulté sur votre chanson. Est-ce que vous saviez qu'on allait la prendre pour faire le thème? Sincèrement, on l'a su le soir de ta première, en regardant l'émission. C'est pas des farces. Vous ne saviez pas avant. On savait pas du tout, on a eu un choc, et puis en même temps, agréablement surpris. C'était un moment surréaliste pour nous. Bon, ben écoutez, ben là, vous allez la faire de c'est ça. Vous allez entendre, donc, à la maison, quand vous allez chez le disquaire, demander leur version et non pas ma version. OK, la superstar de ma vie. Mais là, comme il faut, je peux pas me retenir, évidemment, il faut que je la magane encore. Il va falloir que je la magane, je vais pas la chanter, mais je vais aller jouer de la batterie, par exemple, sur la chanson. Et là, vous allez voir, vraiment. Alors, écoute, Dominique, si ça te dérange pas, évidemment, juste pour le plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Ça, c'est bon. Excusez-moi, hein. J'espère que... Alors, on écoute Lemon Twist, maintenant. Quand vous le sentez. J'ai longtemps cru que l'amour était une cause perdue d'avance. Une rémission de solitude, un confort forgé à même l'habitude. Chaque moment de bonheur traite un jour.
superstar de ma vie. C'est toi. Bien. Je ne savais pas que mon destin était lié au tien et que toute ma vie avant toi n'était pas faite pour moi jusqu'à ce que je réalise que la superstar de ma vie. Tout le monde ensemble. Mégo nous a encore une fois épaté avec une imitation absolument incroyable de Jerry Boulet. Seigneur, à quand le one-man show? Bah, attends, Mégo. Vous savez, moi aussi, je peux faire des imitations. Mais j'ai préféré attendre à la fin pour ne pas porter ombrage à sa minute de gloire. Mais je vais faire mieux que Mégo en vous offrant une double imitation, soit Julie Snyder et Marie-Michel Desrosiers en même temps. Accessoire. Tous les paniers, tous les bananiers. OK, c'est correct. Allez, bonne nuit, chérie. À demain.